13 mai 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans la causerie. C'est bien Chuchu et Télé. Communal 2020, deux voix des citoyens dans la préservation de la paix. Voici le thème au cœur de cette émission que j'ai le privilège de diriger avec mes invités, ou bien de conduire, bien évidemment, avec mes invités sur ce plateau. Il s'agit, bien évidemment, de Eloge Gandaro. Bonjour. Bonjour, chers confrères, et bonjour à tous. Merci pour la confiance toujours renouvelée. Merci à vous aussi. D'accord. Un autre invité dans ce studio, il est web activiste, Didier Marcon. Bonjour. Vraiment bonjour. Merci de répondre tout à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. D'accord. Très habitué de ce plateau, Kader Chirou, journaliste. Isaac Adjé, bonjour, amis téléspectateurs de télé, bonjour. Bonjour. Alors, les campagnes se poursuivent, ce sont les derniers jours, du moins, et chacun commence par évaluer, quand je dis chacun, chaque parti, justement, commence par évaluer ses chances, justement, de gagner du terrain. Et parfois, la tension se ressent dans les verbes. Est-ce que, déjà, on peut dire que l'organe qui s'occupe des élections joue son rôle? On va faire un tour à la régie pour suivre cet élément avant de revenir. En matière de paix, je pense que lorsque nous avons eu à élaborer le bulletin unique, nous avons fait passer des messages forts, des valeurs tendant à renforcer la démocratie dans notre pays. Et nous avons demandé à chaque parti politique, au regard du thème qu'il a eu à choisir, au regard de la valeur qu'il a eu à tirer, de bien vouloir prôner cette valeur-là sur l'ensemble du territoire national. Je pense qu'au nom de ces valeurs, il y avait la paix. Il y avait la paix, il y avait l'égalité, la tolérance et tout autre comportement qui sont à même justement de faire de scrutin-là une élection paisible. Donc par rapport à ça, je pense que nous serons une élection paisible. C'est un appel que je lance directement à l'endroit des partis politiques, à l'endroit de toute la population, afin que véritablement chacun puisse... mettre tout en œuvre pour que les comportements de paix soient observés ce 17 mai 2020, que la démocratie béninoise en sorte encore une fois grandie. Voilà, de retour dans ce studio, Eloge Gandaro, pour le compte de ces élections, et ça fait partie justement des innovations de la Commission électorale nationale autonome. Chaque parti politique en lice, chaque parti des cinq justement, incarne une valeur à prôner tout au long de la campagne jusqu'au jour des élections. N'est-ce pas là le rôle du maintien de la paix que joue déjà la Sénat? Tout à fait, c'est un rôle très très important. La Sénat a donné l'exemple, nous avons parlé d'innovation. Ah oui. Parce que depuis des décennies que nous organisons, le Bénin organise les élections, ici nous n'avons jamais vu la Sénat prendre une telle initiative. Mmh. Et ça va dans le sens de la préservation de la paix. C'est très important. Mmh. Parce que nous avons, n'est-ce pas, beau prôner la consolidation de la démocratie, oui. La préservation des acquis de la démocratie, mais ça dépend aussi des acteurs, des différents acteurs que nous sommes, que ce soit les institutions, n'est-ce pas, de la République, que ce soit nos citoyens, que ce soit les électeurs, ceux qui iront voter. C'est très très important et je crois que le terrain a été déjà balisé. Et nous n'aurons pas tellement de craintes. C'est vrai que c'est un appel à tous les citoyens. La Sénat a donné le déclic. Et chaque parti, je crois que, spontanément, est allé avant que le spécimen ne soit définitivement présenté, chaque parti est allé tirer, n'est-ce pas, comment dirais-je, un thème qui va dans ce sens-là, comme vous l'avez dit, que ce soit la paix, que ce soit l'égalité, que ce soit la tolérance, je crois que c'est des valeurs à préserver pour que les élections soient véritablement paisibles et transparentes. Maintenant, entre la parole, entre la volonté de faire et entre les actes constatés sur le terrain, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas dévancer les choses, mais nous espérons qu'avec la maturité acquise par le peuple béninois, nous avons organisé plusieurs élections. Nous ne voulons pas nous vanter de cela. Mais nous le disons avec, comment dirais-je, conviction, nous le disons avec fierté, dans la mesure où, depuis le renouveau démocratique, il y a eu, lors des élections organisées au Bénin, quelques incidents, mais ce n'est pas des incidents majeurs à nous conduire vers des affrontements sanglants
à nous conduire vers la guerre civile comme cela a été le cas dans certains pays. Donc nous voulons bien croire que cette fois-ci, avec les efforts que nous avons eu à faire, avec les efforts que les différents gouvernements ont eu à consentir, et avec cette maturité dont je parle là, que les Béninois feront encore cet effort-là pour que les prochaines élections puissent se dérouler dans la paix et la transparence. Merci. Dans la paix et la transparence, je vous relance sur la même question, Kadé Achiro. Non, je crois qu'il n'y aura pas véritablement de couac au cours du déroulement du scrutin du 17 mai prochain, dans la simple mesure selon laquelle les aspirations profondes des populations se retrouvent dans les différentes formations politiques qui vont participer aux dites élections. Et donc, quand cela est de mise et que chaque citoyen a quand même un candidat pour qui il va voter le jour de scrutin, il n'y a pas de frustration, personne n'est rassasié de frustration, il n'y a pas d'inquiétude. Autre sujet également, c'est que à divers niveaux, il y a le respect des mesures édictées par le régime actuel, le régime en place pour empêcher la propagation du coronavirus. Et donc l'invite aujourd'hui doit être à l'endroit des citoyens de bien vouloir respecter les différentes mesures barrières qui sont mises en place, la procédure à travers laquelle le vote sera effectué pour ne pas qu'il y ait de bousculade, pour ne pas qu'il y ait d'attroupement. Et donc cela passe par le fait que chacun se lève de chez lui le 17 mai, se rend au centre de vote avec son masque de protection, se lave les mains sur le terrain et respecte les consignes qui seront données sur le terrain par les autorités de la sécurité et les autorités sanitaires. Et donc, pour ma part, il n'y aura pas véritablement d'inquiétude. Il n'y a pas du tout de menace sur la paix parce que, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon argumentaire, chaque électeur a un candidat à travers lequel il retrouve une vision de développement pour sa localité. Et donc, les uns et les autres se rendront pour exprimer leur vote, pour exprimer leur participation, je dirais, au renouveau de la gouvernance locale au Bénin. Donc, je pense que tout est sous contrôle et nous espérons que la maturité du peuple béninois, qui a toujours joué en temps d'inquiétude, va primer davantage pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir dissiper tout ce qui est, subsiste dans le subconscient de certaines personnes et qui les amène à rester dubitatifs. Tout est sous contrôle. Parole de Kader Chirou. Didier Makou, la Sénat a lancé les jalons aux partis politiques qui déjà incarnent des valeurs d'éthique et morale. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour qu'il y ait la paix au cours de cette élection? D'abord, je voudrais saluer l'initiative de la Sénat. Oui. Comme l'a dit le doyen, c'est une innovation et qui apporte un plus dans le processus électoral dans notre pays. Vous savez, quand on parle de la paix, quand on parle de la tolérance, c'est des valeurs dont nous avons besoin pour une cité bien à l'aise, bien gouvernée, pour que chacun se sente à l'aise dans sa peau. Donc si la Sénat a réfléchi à cela, c'est parce que la Sénat est conscient de l'enjeu. Ça voudrait dire quoi? Que chaque acteur politique ou pas, c'est à préciser, hein? Politique ou pas, doit pouvoir comprendre l'enjeu et jouer sa partition pour que tout se passe comme nous le souhaitons, dans la paix. D'accord. C'est vrai que quand on parle du maintien de la paix, c'est l'État et le pouvoir régalien. Est-ce que, Kader Chirou, l'État fait suffisamment ce qu'il faut pour que les élections se passent sans anicroche? Je crois que le rôle de l'État ou la contribution de l'État dans l'organisation efficiente d'élections ou dans la bonne organisation d'élections, je crois que le régime actuel en place est en train d'être même avant-gardiste par rapport à certaines choses, parce que les moyens sont mis à la disposition de la Sénat, les forces de défense et de sécurité sont instruites et dotées de matériel roulant comme ceux dont ils ont besoin pour que l'État soit fait. Et vous avez constaté que depuis la semaine dernière, les différents groupes qui doivent se rendre dans les contrées du pays pour
assurer ou encadrer le déroulement du scrutin sont déjà effectués. Ceux de l'armée sont en train d'être détachés également, ceux de la police républicaine également, toujours dans le respect des mesures édictées contre la propagation du coronavirus. Et donc, je pense et je crois que le gouvernement assume pleinement son rôle, celui de garantir, dans un premier temps, parce qu'ici il y a un rôle, garantir la sécurité sanitaire des populations, mais également garantir également l'organisation d'élections paisibles, apaisées et transparentes. Et donc vous allez constater que aujourd'hui, nous ne voyons pas les dirigeants actuels dans une addition de colère confuse visant quand même à inverser la tendance en leur faveur ou autre, mais nous voyons un exécutif qui s'est démarqué de toute activité politique, qui se concentre sur l'activité gouvernementale, oui, et laisse les acteurs politiques dans leur champ politique pour que les choses se passent de façon distincte, pour qu'il n'y ait pas véritablement d'amalgame. Donc je pense et je crois que tant qu'il n'y a pas ce conflit en place, le gouvernement joue sa partition, les institutions en charge de l'organisation des élections jouent également leur partition. Il n'y a pas de raison de douter que les populations elles-mêmes jouent leur partition en sortant massivement le 17 mai, dans le respect strict, il faut le marteler maintes fois pour que possible, dans le respect strict des mesures édictées contre la propagation du coronavirus. Et donc, nous allons nous retrouver le petit matin du mai avec joie, gloire et avec des commentaires autour de ceux qui auront pu avoir la chance d'être élus. Voilà. D'accord. Qui parle de parti politique parle aussi des militants. Est-ce que vous pensez, Roger Gandaro, que les partis, quand je parle des partis dirigeants et militants à la base, ou sympathisants s'il le faut, est-ce que vous pensez que dans leurs différents discours, ils prônent la paix? Mais tout à fait. Ce travail a été fait et continue d'être fait par le gouvernement. Vous savez que les frustrations, l'injustice peuvent être à la base, n'est-ce pas, des actes de violence, peuvent être à la base de certaines situations que nous ne souhaitons pas. Vous voyez, pour ces élections, déjà avant même que ne commence la campagne, les partis politiques, lors de différentes rencontres, que ce soit avec la Sénat ou d'autres institutions, ont insisté sur l'équité, l'égalité. Voilà. Parce que lorsqu'il a été décidé de mettre mot, hein, n'est-ce pas, que les campagnes seront essentiellement médiatiques, je crois que l'inquiétude de certains partis politiques, ça le dit, mais est-ce que certains partis ne seront pas favorisés au détriment d'autres? Est-ce que ces messages, certains ont dit, mais comme par le passé, n'est-ce pas, certains pour leur leur obédience politique, leur proximité avec le pouvoir en place, n'est-ce pas, ne seront pas favorisés, pendant que d'autres, à travers le message, seront censurés. Ce qui n'a pas été le cas. Vous voyez comment cela se passe. Et même au niveau des médias, au niveau de la presse écrite. Si je vous comprends cela, commencez par l'impartialité du pouvoir central. L'impartialité du pouvoir central, n'est-ce pas, chers amis, voyez déjà comment cela se passe. Et même la presse écrite, qui a été tout dernièrement associée, qui a rattrapé le train en marche, il a été exigé de la presse écrite de ne passer que les messages des partis politiques. Voilà. Je crois que c'est ça. Les instructions ont été données de manière très ferme pour dire nous ne voulons pas voir un certain déséquilibre dans les parutions où des candidats des partis politiques, n'est-ce pas, vous leur ferez la part de l'union alors que le gouvernement fait l'effort pour que cette équité-là soit une réalité. Et qu'il n'y ait pas de frustration. Qui pourrait engendrer. Voilà, parce que c'est des situations qui peuvent engendrer, n'est-ce pas, la violence. Et comme nous avons fait l'expérience par le passé, je crois que le mal a été déjà étouffé dans l'œuf. Donc, tel que c'est fait, je crois que déjà, nous avons gagné une partie du terrain en ce qui concerne la paix que nous prenons. Ce n'est pas encore la panacée. Ce n'est pas encore la solution définitive, comme vous l'avez dit maintenant. Un effort reste à faire. Je vais parler bien des militants. Mais vous allez constater que les partis politiques, déjà, à travers le message, ne se contentent pas toujours de vanter la qualité, les atouts de leur candidat. Le confrère Kadel a souligné tout à l'heure que chaque parti politique, c'est très important, a insisté sur le respect des mesures préventives, n'est-ce pas, éditées par le gouvernement. C'est parce que c'est pour nous tous. Et chaque parti politique dit,
Le plus important également, c'est de faire en sorte que les militants puissent respecter les consignes données par le gouvernement pour que nous soyons tous protégés. Donc, à travers cela, les partis politiques lancent aussi des appels à leurs militants. C'est vrai que ce n'est pas possible qu'il y ait des rassemblements de sensibilisation, des sensibilisations en pareil moment, mais le travail a été fait déjà avant la campagne électorale. Et ça continue d'être fait à travers les messages respectifs de chaque parti politique. Et nous croyons que les militants, si cela donne l'écho favorable, nous pourrons espérer qu'ils auront un comportement citoyen, un comportement responsable le jour du vote. Et ce sera l'avantage de tous les Béninois. Voilà, Didier, je le disais à l'instant, j'ai parlé de, quand on parle de parti politique, c'est surtout des militants. Et au sein des militants, il y a, excusez un peu le mot, certains fanatiques. Les fanatiques, justement. Maintenant, est-ce que vous pensez que ceux-là prennent la paix que les partis au haut niveau incarnent? Je voudrais, si vous le permettez, revenir sur la responsabilité de l'État. Oui, très rapidement. Et je pense que c'est important pour nous de saluer le gouvernement en place et de dire que nous avons la chance d'avoir des dirigeants responsables et qui savent faire les choses à temps et bien. Vous avez vu tout ce qui est énuméré là, il fallait mettre ces balises là pour que ça ne dégénère pas. Et c'est très bien. Maintenant, revenons à votre question. Par rapport aux militants fanatiques, c'est dans tous les pays, vous avez toujours des gens qui cherchent à faire plus que tout le monde. Et avant d'aller sur cet aspect, je voudrais dire que le rôle principal dans la préservation de la paix en période électorale revient essentiellement aux dirigeants, aux leaders politiques. Parce que en politique, parfois, je ne sais pas si c'est quand on est à court d'inspiration, devant les militants, il y a des mots qui sortent, des propos que je qualifie de xénophobes, de régionalistes, de racistes, qui peuvent sortir et qui ne sont pas de nature à encourager la préservation de la paix. Heureusement que aujourd'hui, l'arsenal juridique est vraiment en place pour décourager, étouffer, comme l'a dit quelqu'un déjà, parce que quand on n'y prend pas garde, quand ça commence petit à petit, quelqu'un a dit ci, quelqu'un a dit ça, surtout que nous sommes à l'aide des réseaux sociaux, où, paf, quand ça sort là, en une seconde, c'est partout déjà. Il faut que les dirigeants des partis politiques sachent raison garder. C'est quoi dire, devant qui et quand. Parce que vous êtes mûr, vous savez que ce que vous dites là, bon, c'est juste de la politique. Mais le fanatique qui est à côté, qui l'entend, lui s'élève de là, ben, c'est fini. Bonjour les dégâts. Donc c'est dire que la responsabilité première revient d'abord aux dirigeants des partis politiques et qui doivent... Et qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce sens pour canaliser l'énergie des militants? Voilà, justement. Ça c'est pas autant des élections qu'il faut canaliser l'énergie des militants. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup admiré la réforme du système partisan qui aujourd'hui a permis d'avoir des partis qui sont bien connus et qui ne sont pas... C'est-à-dire tel que c'était. Aujourd'hui, il faut commencer d'abord par former le militant à la citoyenneté. Il faut commencer par lui inculquer des valeurs de la citoyenneté qui, quand on sera temps des élections, ne lui feront pas défaut. Donc ça commence par là. Maintenant, quand nous sommes de plein pied dans les élections, dans les campagnes, il faut que les messages de sensibilisation. Et c'est en cela que l'initiative de la Sénat, elle est très importante parce que il faut attirer l'attention des dirigeants déjà avant que la campagne ne commence sur ces points essentiels là. Et c'est ce qui a été fait. Donc je pense qu'en véhiculant les messages de paix, c'est-à-dire même quand on est à un meeting, avant de commencer par parler de soi, il faut d'abord demander, expliquer aux militants qu'il faut qu'il y ait de la tolérance. C'est vrai qu'il n'y a plus de meeting. Voilà, il n'y a plus de meeting justement. Mais cela n'empêche, nous sommes en train de parler d'élection communale où la circonscription électorale, c'est l'arrondissement où les gens se cohabitent, ils se voient tous les jours. Donc, même s'il n'y a pas meeting, l'autre qui n'est pas de votre parti, sa maison est juste à côté là, quand les messages de tolérance et de la paix ne sont pas véhiculés, ça peut capoter. Ce que nous ne souhaitons pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier, de dire que tout se joue bien pour que tout se passe dans la paix et pour le bien de tout le monde. D'accord.
Kader. Alors, l'autre chose qu'il faut véritablement ajouter, c'est que la réforme du système partisan elle-même a eu à baliser le terrain, parce que vous constatez que désormais, il n'y a plus de propos égocentriques au sein d'une formation politique, mais c'est beaucoup plus le parti politique qui est mis en vogue. On vous demandera, on vous dira que si tel candidat est positionné dans telle circonscription électorale, c'est pour la victoire du parti politique. Ce n'est plus une victoire personnelle, mais une victoire collective. Et vous avez constaté également que les débats ne se font plus, ils ne sont plus axés sur les débats de personnes, mais beaucoup plus sur les débats liés aux visions de développement. Vous voyez telle formation politique qui vous dit, voyez, nos maires veulent faire ci, veulent faire ça. Il ne s'agit plus du maire de temps. Non, nos maires veulent faire ci, veulent faire ça. Voilà le registre de développement dans lequel ils sont classés. Et donc, cela est à l'actif également de la réforme du système partisan. Autre chose également qui a été comme un véritable bénéfice de la réforme du système partisan, c'est que vous allez voir même les affiches qui sont publiées un peu partout dans la ville, celles qui sont, conçues par les frais du parti politique, vous voyez qu'elles ne sont pas personnalisées, elles ne sont pas personnifiées, parce que c'est une vision commune, c'est une vision générale. Parfois, qui est mise on en voit plusieurs même personnes, dans le message est un message d'ensemble. Voilà, dans les colonnes des journaux, quand vous lisez, vous lisez, il s'agit de la vision de développement des candidats de telle formation politique, des candidats de telle autre formation politique, et donc ça permet à l'électeur de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans telle formation politique, qu'est-ce qu'il nous propose ceci, qu'est-ce que les autres me proposent, afin de pouvoir juxtaposer les uns sur les autres et peut-être d'en faire, son choix. Cela est aussi à l'actif de la réforme du système partisan, parce que autrefois les débats étaient accentués sur les débats de personnes, sur les débats de résidence, sur les débats de proximité des uns avec les autres, sur les débats de proximité des uns et des autres avec l'électorat, sur le passé des uns et des autres. Mais aujourd'hui, on veut beaucoup plus accentuer le débat sur le développement, sur le projet de société. Je crois que c'est véritablement un grand acquis. Ça permettra désormais aux Béninois de pouvoir, en période électorale, de rester en dehors des additions de colère confuse et de se focaliser sur ce qui nous est présenté, ce qui leur est présenté. Et donc, vous allez voir que ce comportement sera réédité lors des prochaines élections, et ça permettra aux électeurs béninois de pouvoir faire des votes utiles, des votes responsables, des votes qu'ils feront et qui ne les amèneront pas demain à regarder pour dire pourquoi on avait fait ci ou on avait ça. C'est pour cela que vous allez constater que il n'y a plus de discours qui tentent quand même à influencer la psychologie de l'électeur dans une certaine mesure. C'est pour cela que vous avez pu comprendre que le gouvernement, dans un souci d'équité, a dû mettre en place certaines mesures avec également la crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19 et qui certes dérange les intérêts, frustre par endroits, mais nous comprenons que c'est la seule mesure selon laquelle il faut permettre à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité, d'être sur la même ligne de course, pour que le jour du 17 mai, après le 17 mai, qu'on puisse entendre que les gens peuvent dire non, ce sont ceux qui sont proches du pouvoir qui ont eu des faveurs, non, ce sont ceux qui ont été à tel endroit parce qu'ils avaient beaucoup plus de moyens, qui ont pu communiquer plus que nous. Non, tout le monde est sur le même pied d'égalité, tout le monde a les mêmes accès, et donc à la fin, on verra ceux qui sont véritablement adulés par les populations. Et je crois que c'est véritablement l'intérêt de cette procédure. À la fin du 17 mai, nous verrons qui est véritablement proche des populations, qui sont véritablement adulés par les populations, et nous ne verrons pas des votes qui sont effectués sur la base de messages visant à provoquer. Et tout à l'heure, j'en finirai là, le vis-à-vis a évoqué quelque chose de très, très important. Mm-hmm. Vous savez, les propos ethnocentriques, égocentriques, les propos régionalistes ont des impacts directs sur la stabilité de la paix. Et dès que cela n'est plus possible, dès que cela n'est plus en phase, et que nous avons désormais des partis politiques nationaux, ou même le candidat de la 8e circonscription électorale peut se retrouver dans la 16e, la 15e pour essayer d'entretenir des militants, pour donner un coup de main à son collègue de la 24e, pour exposer la vision de développement. Je crois que c'est un véritable acquis. Ça renforcera davantage l'unité nationale, ça enracinera davantage la préservation de la paix. Et je crois que à ce niveau donné, cela, je l'ai dit à l'entame de mes propos, est à l'actif de la réforme du système partisan. Parce que la victoire aujourd'hui est nationale, on peut le dire, parce qu'il y a un pourcentage à atteindre. Si vous n'avez pas obtenu les 10%, vous ne pouvez pas accéder au partage des sièges. C'est une disposition très bien fondée d'ailleurs, parce que ça permettra désormais de voir les partis politiques qui sont véritablement avec une assise nationale, et ça mettra fin
aux entreprises politiques. Ça mettra fin aux boutiques politiques qui ne sont que là pour marchander des intérêts au profit d'une et une seule personne. D'accord, monsieur Gandaro, voilà, aujourd'hui on peut le dire sans grand risque de se tromper, le coronavirus c'est la phobie générale, mais est-ce qu'il n'y a pas là un acquis en matière d'organisation, parce que aujourd'hui nous n'avons pas droit au grand rassemblement. Est-ce que en quelque chose cela ne réduit pas les heures, parce que parfois quand le parti X organise son meeting, il y a le parti Y qui vient juste pour semer de troubles et parfois ça crée des tensions. Est-ce que en quelque chose on ne peut pas prendre cela comme un acquis qui nous amène à la paix? Nous allons dire à quelque chose malheureusement. À quelque chose malheureusement. D'accord. Mais cela ne veut pas dire que nous allons prier pour que le coronavirus ait droit de citer, vive le plus longtemps que possible pour que nous ayons des élections apaisées. Non, c'est une expérience. D'accord, c'est une expérience que nous sommes en train de vivre. Je dis à quelque chose malheureusement. J'espère que les téléspectateurs ne vont pas mal comprendre. Ce que nous allons souhaiter est que nous finissions avec ce mal-là et que nous retournions aux bonnes habitudes. Voilà. Je ne veux pas dire seulement les vieilles habitudes, parce que les vieilles habitudes, il y en a de mauvaises dedans. Dans les vieilles habitudes, il y a de mauvaises habitudes, parce que tout à l'heure, Kader vient de le souligner, nous avons eu ici droit à des campagnes vraiment, vraiment turbulentes. Hein? Des campagnes avec des discours tendancieux, sur fond de provocation, et vous vous rendez compte que c'est la loi du plus fort. Les partis ou des leaders, n'est-ce pas, nantis, qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches, s'imposent sur le terrain, n'est-ce pas, financent, il y a des gens pour piétiner d'autres. Qui sont là, qui attendent les campagnes pour faire sortir les vieux dossiers. Et c'est ça. On laisse l'essentiel. Au lieu que ça soit un discours basé sur une vision de développement, sur des actions à faire, sur les insuffisances à relever, sur ce qu'il faut combler pour que véritablement un élu puisse avoir les ressources qu'il faut pour contribuer au développement de son pays. C'est plutôt des discours conflictuels sur fond de querelles, de rancune qui n'apporte rien. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que il n'y a pas de milliardaire qui vient s'imposer. Je peux, n'est-ce pas, dépasser les événements et dire que nous n'aurons pas, d'ici quelques mois, droit des amalgames, des controverses sur les dépassements de frais de campagne. On est allé prendre 50 milliards ou 12 milliards ailleurs, on est venu dépenser, nous n'aurons plus droit à ça. Donc, quelque part, la réforme du système partisan a servi à quelque chose. Même si nous ne pouvons pas déjà très tôt clamer la victoire, je crois que il y a déjà les fruits, nous commençons déjà par les récolter. C'est pourquoi je dis, j'insiste là-dessus, on dit souvent, l'ancien président américain Roosevelt, à travers une pensée qui disait, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Il y en a qui sont pessimistes. Voyez tous les problèmes qu'il y a eu autour des lois électorales, de la charte des partis politiques. Quand vous entendez certains, c'est comme si, c'est le danger, c'est le drame que de vouloir toucher à ça. Or, vous savez, nous évoluons. 20 ans, 30 ans après, je crois que normalement, dans une démocratie, nous devons essayer de faire un bilan, voir les faiblesses, voir les forces et essayer de corriger ce qu'il faut corriger pour avancer. Mais pour certains, il suffit de parler de la révision de la Constitution. C'est grave. C'est un drame qui veut s'abattre sur le pays. Mais voyez comment finalement nous avons pu passer ce processus-là, sans heurte, sans violence. Donc, quelque part, je le dis, sans trop d'exagération, il faut quand même féliciter cet effort qui a été fait de part et d'autre. Je ne veux pas dire le gouvernement seul, mais toutes les institutions, tous les acteurs qui ont contribué, qui ont fait en sorte que ce processus-là, nous sommes en train d'avancer avec cette réforme du système partisan. Sinon, voyez-vous, tout le bruit qu'il y a eu autour, on aurait pu dire, écoutez carrément, laissons les partis politiques évoluer comme avant. On voyait tous les dissensions qui ont marqué le parcours de ces partis politiques-là. C'est vrai, je suis d'accord que, il ne s'agit pas là de vouloir dire que non,
il faut empêcher la création de nouvelles formations politiques. Ce n'était pas là l'objectif. Mais l'objectif, véritablement, c'était de faire en sorte que nous ayons de grands partis politiques, de grands ensembles politiques qui ont une envergure nationale, qui puissent véritablement jouer leur rôle pour l'enracinement de la démocratie. Nous sommes en train d'évoluer sur ce pas. Donc, les élections que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une expérience. Et souhaitons que ce ne soit pas toujours le coronavirus, une pandémie qui nous oblige, n'est-ce pas, à... a servi de modèle à organiser des élections apaisées, mais que ce mal-là disparaisse et que ce que nous pouvons garder de cette expérience, n'est-ce pas, et que nous sommes en train de faire maintenant grâce au gouvernement en place, grâce aux institutions de la République et grâce à tous les Béninois, souhaitons que cela puisse se poursuivre, ce qui est bien, nous puissions les garder pour les élections à venir. Oui, pour raison de Covid-19, pas de grand rassemblement, pas plus de 50. Est-ce que cela a promu en quelque chose la paix et la préservation de la démocratie? Et quelque part, on peut dire oui, mais pas pour autant. Oui. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, où les gens, même dans leur chambre, ont les informations à temps, temps réel. Hein. Donc dire que c'est parce qu'il y a Covid, quelque part faire de la Covid un jour en partie, parce que il faut respecter les mesures barrières et on ne peut pas se rassembler autre là. Et c'est là également que moi je voudrais rapidement appeler les dirigeants des partis politiques à la conscience. Parce qu'on a vu des gens qui ont bafoué les mesures là, qui rassemblaient des gens par-ci, par-là. Heureusement que je pense que le gouvernement est en train de taper des mains sur la table pour mettre fin à ce désordre là. Okay. Puisqu'on n'a plus observé de pareil dérapage. Quelque part, le coronavirus nous permet aujourd'hui de faire une nouvelle expérience. Et c'est justement ça que le doyen disait. Si éventuellement c'est une très bonne expérience, si on peut la rééditer, on peut dire, ben, pour éviter de telles choses, de tels dérapages, s'il y a des. On voit qu'il y a trop de tendances de menaces sur la paix par rapport à une élection, on peut promouvoir ces canaux-là que nous sommes en train de voir aujourd'hui et faire des campagnes. Ça se passe bien. Et les messages, vous voyez, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez à la télé, dans la presse écrite. Oui, tout, vous parlez des réseaux sociaux, mais il faut dire que là aussi, il y a la loi sur le numérique qui est là. Hein? Oui, et c'est très bien, c'est pourquoi il dit que tout se fait de manière appropriée. Okay. C'est ça. Bon, imaginez, imaginez qu'il n'y avait pas une loi sur le numérique, chacun se lève, il écrit ce qu'il veut, même quand on aurait dit que la campagne se fera uniquement par voie médiatique, chacun peut passer par ces canaux-là et dire de n'importe quoi. Heureusement qu'aujourd'hui, les choses s'organisent davantage mieux et nous devons être pire en tant que Béninois que dans notre pays aujourd'hui. Quand on parle des élections, chacun sait le rôle qu'il a à jouer. D'accord. Communal 2020, deux voix des citoyens dans le maintien de la paix, Kader Chirou. Les artistes, ce sont aussi des citoyens. Selon vous, quel est le rôle de cette frange de la société? Les artistes ont un rôle très important et je dirais capital dans le maintien de la paix, dans la stabilité d'un État. Oui. Parce qu'au-delà du fait qu'ils sont des artistes, ce sont des célébrités qui ont des fans au sein de la population. Oui. Et dès qu'ils disent un mot, tout de suite, il y a des milliers, voire des millions de personnes, même au Bénin comme au-delà de notre frontière, qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont eu à dire. Nous avons beaucoup d'artistes au Bénin. Et donc, quand ces artistes se lèvent pour effectuer un petit morceau de chanson pour appeler à la paix, pour appeler au respect strict des mesures barrières contre le coronavirus, je crois que c'est très bien. Vous avez vu, à l'entame de cette pandémie du coronavirus, on a vu un artiste africain qui tout de suite a effectué une chanson pour dire respecter les conditions d'hygiène, les restes barrières édités par nos gouvernements. Il a chanté pour toute l'Afrique. Et vous avez vu que tout de suite, cette chanson a fait le tour de toute l'Afrique. Ah oui. C'est pour vous dire que s'il doit avoir maintien de la paix au Bénin,
Les artistes béninois également ont une grande contribution. Ah oui. Et cette contribution va de le fait qu'ils appellent. Même un simple tweet. Vous imaginez Angélique Kidjo, par exemple, qui, au-delà du fait qu'elle est artiste béninoise, qu'elle est une grande célébrité internationale, envoie un petit tweet pour appeler ses concitoyens à la paix. Je crois que c'est véritablement très important. C'est 6 mai. On a beaucoup d'artistes au Bénin. Dès qu'ils envoient un petit tweet, Nicanor, chacun a ses fans. Ceux qu'il impacte dans la société. Il y en a qui impactent tous ceux qui sont entre 35 et 40 à 70 ans. Il y a d'autres qui impactent à partir de la cinquantaine, la soixantaine, à 70 ans. Oui. Mais il y a d'autres, ils impactent beaucoup plus ceux qui ont de 7 ans à 25 ans. Ceux dont nos enfants dans les écoles, dans les maternelles, maîtrisent même mieux les chansons que l'hymne national, ce qui est quand même déplorable. Oui. Mais ils ont chacun leur cible. Et donc, dès que ces artistes-là, unanimement, sous l'égide du ministère de la Culture, arrivent quand même à appeler à la paix, arrivent quand même à appeler au respect strict des mesures édictées contre le coronavirus, au respect strict des autorités sanitaires et des autorités de sécurité publique le jour du vote, je crois qu'il y aura pas, il y aura zéro incident pratiquement. C'est vrai qu'on dit que il y a pas zéro incident, il y a pas zéro criminalité, mais je crois que nous pouvons y arriver si véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous l'égide du ministère de la Culture, ces artistes-là qu'on arrive à identifier et dont on sait que chacun a sa cible, a son auditoire, que chacun puisse arriver à produire des messages pour appeler à la paix et au respect des gestes barrières. J'insiste toujours sur ça parce que c'est vrai, même si nous avons beaucoup de cas de portée asymptomatique, il ne faut pas quand même baisser la garde dans la lutte contre cet ennemi invisible. Et donc, si ces artistes-là arrivent quand même à produire, que ce soit des sketchs, parce que quand on parle d'artistes, ce n'est pas forcément les chanteurs. Il y a aussi ceux qui produisent des sketchs et autres. Si d'ailleurs produisent des sketchs également pour amener les uns les autres au respect de ces gestes barrières, de ces mesures préventives et de protection également, je crois pour ma part que nous irons à des élections communales et municipales apaisées, en toute quiétude, et nous verrons que même à la fin de la tenue de ce scrutin, il n'y aura aucun impact sur la situation sanitaire que le pays, malheureusement, ou parfois même heureusement, est en train de traverser en cette période électorale. Oui. Cher René, est-ce que vous pensez que les artistes, pour le compte de cette élection-là, sont en train de jouer leur rôle d'appel à la paix? Parce qu'ils en ont un. Tout à fait, ils sont en train de jouer leur rôle. Et vous savez, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Vous jetez un regard, il y a quelques années, sur l'histoire du Bénin. Oui. Surtout les années 90, 1990, avec l'avènement du renouveau démocratique. Ah oui. Vous voyez comment il y a eu ce élan-là de la part des artistes béninois. Vous n'allez pas oublier Nel Oliva, vous n'allez pas oublier Vivi l'International, le regretté Stan Toron. Vous voyez comment tout cela, à travers leurs chansons, leurs compositions, ont pu faire conscientiser les Béninois pour lancer des appels à la paix, à la tolérance. Il ne faudrait pas qu'il y ait des conflits sanglants ici. Nous ne voulons pas la guerre au Bénin. Nous voulons la paix. Voyez nos aïeux, voyez nos ancêtres, comment ils ont pu, verser leur sang pour qu'aujourd'hui nous ayons certains héritages. Donc nous devons préserver tout cela, cet héritage-là. Aujourd'hui, nous ne devons pas foutre tout cela en l'air à travers nos intérêts personnels, à travers certains élans régionalistes. Non, il faut que nous travaillions pour la paix. Vous voyez ces messages-là que ces artistes-là ont délivrés à travers leurs chansons. Ça se poursuit aujourd'hui. Oui, et vous voyez que c'est toujours d'actualité. D'actualité. Et à chaque élection, en période électorale, vous constatez que cet effort est toujours fait de la part de nos artistes. Aujourd'hui, nous vivons un contexte marqué par le coronavirus, la pandémie du coronavirus. Mais ces artistes-là, bien que ce n'est plus possible d'aller présenter, qu'ils aillent présenter leurs œuvres en spectacle, où il y a de grands rassemblements, mais vous voyez il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'autres canaux par lesquels ces artistes-là arrivent quand même à passer à ce message-là et à sensibiliser la population. C'est comme une religion. Je crois que ce rôle-là, c'est pour dire que ça n'appartient pas uniquement au gouvernant. Parce qu'on a tendance à croire que la responsabilité incombe uniquement au gouvernement. Non, nous avons tous le devoir de travailler pour que nous aboutissions, pour que nous atteignions ces objectifs-là, pour que nous ayons la paix. Ce travail est en train d'être fait. Mais il y a une chose sur laquelle je tiens à insister, puisque vous en parlez.
le coronavirus et puis les artistes qui doivent aussi jouer un rôle pour la paix des élections. Oui. Mais et l'opposition? Vous voyez, nous constatons aujourd'hui qu'il y a une opposition responsable, qui se dit opposition constructive en décidant de prendre part aux élections. Oui. D'accord? Cela veut dire que même si nous ne nous entendons pas, même si, comment dire, sur la gouvernance du pays, nous avons quelques observations à faire, nous avons des critiques à faire, mais cela ne nous empêche pas de contribuer nous autres aussi, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs politiques ou de la société civile, à ce qui se fait pour la bonne marche du pays. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voyez comment dans d'autres pays, spontanément, l'opposition s'est dit, écoutez, ce n'est pas une affaire d'opposition de mouvance, voilà une pandémie, voilà un mal qui veut ravager l'humanité. Nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement dans les bonnes actions qui puissent permettre au pays, n'est-ce pas, de bouter hors de notre nation cette tragédie-là. Mais ici, est-ce que c'est le cas? Donc il ne s'agit pas uniquement de rester dans la logique du boycott. Nous n'irons pas aux élections, il faut contester. Non, puisque quand nous parlons de la paix, il faut aussi insister sur ça. C'est le droit de chaque citoyen. Lorsque un camp, une opposition dit, ah non, nous n'irons pas aux élections, oui, d'accord, peut-être c'est son droit. Cette opposition-là, ou ce parti politique-là, a ses raisons pour ne pas vouloir aller aux élections. Mais ce n'est pas une raison pour vouloir, n'est-ce pas, empêcher les autres, occasionner la révolte et dire que non, vous ne devez pas aller au vote, vous ne devez pas faire ceci, cela. Non, ce n'est pas bon. Le droit de vote, c'est reconnu par les lois de la République. Donc, chacun est libre d'y aller. C'est un devoir citoyen. S'il y a des partis politiques qui se disent de manière responsable, nous allons prendre part aux élections, nous voulons la bonne marche de notre pays. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections et qui, avant même la campagne, ont déclaré que non, ils n'iront pas, oui, que ceux-là s'en tiennent à cela et ne commencent pas par faire des mobilisations souterraines ou par faire, comment dirais-je, des troubles à l'ordre public pour empêcher d'autres d'aller voter. Donc c'est très important, il faut insister là-dessus. La paix est également à ce prix-là. La paix dépend aussi de cela. Pendant que d'autres travaillent pour qu'il y ait, comment dirais-je, des élections apaisées, qu'il y ait des élections transparentes, il ne faut pas que de l'autre côté, ceux qui ont choisi de ne pas y aller restent dans l'ombre et commencent par attiser le feu. Justement. Voilà. D'accord. On va revenir sur le rôle de l'opposition dans le maintien de la paix. Mais rapidement, le rôle des artistes. Ben, les artistes ont tout un rôle à jouer. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont même au premier plan en parlant de la promotion de la paix. Parce que tel que l'a dit Monsieur Kader, je pense que les artistes, oui, c'est, quand vous voyez un artiste assis, c'est tout un monde derrière. Oui. Il y a beaucoup de jeunes, même des vieux, qui se retrouvent à travers ces messages. Donc, dès qu'il aborde une thématique, tout le monde se dit, mais alors là, c'est intéressant. Donc, quoi qu'on dise au Bénin, on dira que les artistes ont toujours joué leur rôle. Moi, depuis tendre enfance, j'ai toujours eu le plaisir d'aller, quand on dit d'élection, ce qui m'intéresse le plus, c'est le soir à l'OTB, quand je vois les mémés Vivi International chanter, quand vous voyez Don Stan, on a du plaisir. C'est-à-dire, c'était de la fête, c'est-à-dire, c'est des moments spéciaux et on était vraiment, c'est-à-dire, jusqu'... On n'a même pas envie que la campagne finisse. Okay. Vous voyez. Donc, c'est dire que les artistes ont toujours joué leur rôle au Bénin et ils sont à féliciter. C'est vrai qu'actuellement, à cause de la pandémie du coronavirus, ils ont plus reporté les messages sur la sensibilisation, sur des gestes barrières et autres par rapport à la pandémie. Mais il y en a quand même qui font l'essentiel pour maintenir cette tradition-là qui est toujours observée au Bénin. Il faut dire que les organes de presse aussi en font beaucoup, hein, parce que nous qui jouons. Alors, Kader, sur vous, responsabilité des opposants pour la préservation de la paix, qu'en dites-vous? Les opposants ont une grande responsabilité dans la préservation de la paix, parce que généralement, ce sont eux qui sont les instigateurs des mouvements anti-pacifique, parce que généralement étant frustré, voilà, généralement n'ayant pas... Étant frustré parfois à tort. Très actif, je ne sais pas, parfois, bon, généralement à tort. Okay. Et je tiens quand même à dire à nos amis qui estiment qu'ils sont opposants de bien vouloir suivre la voie de l'opposition responsable, ouais, qui estime que
même si nous ne sommes pas d'accord avec une gouvernance, même si nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui sont là aujourd'hui, cela n'est pas une raison pour incendier la baraque. Parce que si l'on incendie la baraque, on viendra rester où? Alors, lorsqu'on est aspirant à diriger un pays, on n'invite pas les populations à ne pas se rendre aux urnes. Parce que si vous avez l'habitude d'inviter les populations à ne pas se rendre aux urnes, acceptez que lorsque vous serez un jour au pouvoir, que ces populations-là également ne se rendent pas aux urnes pour élire vos sympathisants, courtisans ou autres qualificatifs. Je crois, et j'ai la ferme conviction que il n'y a pas de meilleur processus démocratique qui occulte le passage par les urnes. C'est-à-dire que quoi? Le vote, le fait de se rendre aux urnes est véritablement l'expression d'une certaine vitalité de la démocratie. Alors, si nous sommes démocrates, si nous sommes partisans pour une démocratie au Bénin, on doit appeler les citoyens, les concitoyens à aller aux urnes. Même le vote, le bulletin nul, c'est l'expression d'un vote également. Ah oui. Alors, on ne doit pas dire... La meilleure manière c'est par les urnes. Donc, on ne doit pas rester là à appeler à la démobilisation, à démotiver les populations, à les amener à perdre le goût de se rendre aux urnes pour aller élire leurs représentants. Parce que si vous le faites, si vous habituez les populations à le faire, le jour où vous serez également décideur, le jour où vous serez gouvernant, vous verrez les mêmes populations qui ne se rendront pas aux urnes et vous allez déplorer cela. Et il faut que nos acteurs politiques, et j'en finirai là, qui se réclament de l'opposition, encore que la plupart de ceux qu'on appelle opposants aujourd'hui, on les a vus hier. Alors, je ne comprends pas véritablement cette forme d'opposition qu'on nous brandit aujourd'hui, où les gens se regroupent avec des allures hétéroclites et autres. Donc, je pense qu'il est impératif, il est très important que l'opposition puisse appeler à la paix également, parce que s'il y a la paix au Bénin, c'est pour le bonheur de tout le monde. D'accord. L'autre chose que nous voulons, c'est en fait l'acte spontané d'appel à la paix. Et maintenant, les leaders religieux, ils sont où, en fait, dans cette quête-là de la paix? Oui, tout à fait. Nous ne dirons pas qu'ils sont absents. Nous ne dirons pas qu'ils sont absents. Pourquoi je le dis ainsi? Voyez d'abord la discipline observée au niveau des églises, au niveau des mosquées. Est-ce que depuis que le gouvernement, n'est-ce pas, a pris la décision de la fermeture des églises, oui, des mosquées, des lieux de culte, est-ce que, bon, je peux avoir quelques cas de... Oui, le Gandaro, il faut saisir l'environnement. Ils peuvent le faire par des messages qu'on va poster. Oui, tout à fait. Je dis que la discipline qu'ils observent déjà est le signe qu'ils contribuent aussi, n'est-ce pas, à cet effort de paix que nous souhaitons tous. Là c'est le respect de ce que l'État veut. L'État veut, voyez-vous. Parce que il peut, comme je l'ai dit maintenant, il y a quelques cas, quelques exceptions, hein, oui, ils ne sont pas nombreux, où on a pu appréhender, interpeller un pasteur ou bien un responsable d'une église ou d'une mosquée qui a pu rassembler des gens encore pour prêcher ou je ne sais quoi. Mais ils ne sont pas nombreux, c'est des exceptions. Sinon, de façon générale, je crois que nous avons eu à suivre au niveau des radios, des télévisions, oui, des messages qui ont été délivrés, même par des évêques. Vous avez vu récemment, par la conférence épiscopale, qui est encore revenue là-dessus, pour dire que, écoutez, respectez les mesures édictées par le gouvernement, c'est pour le bien de nous tous. Parce que Dieu qui nous a créés, Dieu ne nous fait pas du mal. Donc si, n'est-ce pas, contre notre volonté, une pandémie nous oblige à ne pas nous rassembler dans une église, nous pouvons quand même rester dans nos maisons et prier. C'est ce qui a été dit, généralement, par les personnalités morales. Je crois que ce message-là est en train d'être délivré et cette sensibilisation se poursuit par les responsables religieux. Il faut le dire de manière franche qu'ils font aussi ce travail-là. Il faut que cela se poursuive. C'est vrai que c'est difficile également parce que ne pas ouvrir les églises, les mosquées, quelque part, ça leur crée également quelques difficultés. Mais bon, et même au point du point de vue financier, je crois que c'est les fidèles qui, par leurs maigres ressources, n'est-ce pas, avec leur foi en Dieu, contribuent, n'est-ce pas, à maintenir l'Église et à continuer de mener les activités pour le bien de nous tous. Mais nous sommes contraints et il faut l'accepter ainsi. Nous ne pourrons que les exhorter et les encourager à continuer par faire ce travail de sensibilisation-là, depuis les maisons, depuis là où ils sont, pour que nous puissions ensemble, avec chacune, avec nos forces réunies, puissions dire l'union fait la force, combattre définitivement ce virus-là. Et ce serait également le signe de la paix.
L'union fait la force. Il faut dire que la lutte pour la paix ou la préservation de la paix, elle est à la fois individuelle et collective. Ah oui, justement. La préservation de la paix, ça commence par vous, ça commence par moi. Ça commence par chacun de nous. Oui, je le dis, peut-être que l'aîné Gandaro va faire une chronique là-dessus en tant que directeur de publication demain, qui sait. Il n'y a pas de problème. C'est notre rôle. Non, c'est la préservation de la paix, c'est le rôle de tout le monde. Oui, c'est le rôle. Et parlant des églises, des mosquées, de nos cultes, disons en général, je pense que ils ont l'habitude de jouer un rôle essentiel. Oui. Ça, on ne peut pas du tout les bafouer sur ce point-là. Ils ont l'habitude de jouer un rôle très important et chaque fois qu'il y a élection, moi je suis des messages, des pasteurs, des imams, même de nos cultes endogènes. Chacun véhicule un message de paix et ça a toujours servi. Parce que vous savez, le fidèle a plus tendance à écouter son pasteur ou bien le prêtre, ou bien son imam, que même l'acteur politique, ce que nous ne savons pas. Donc quand cela a vécu le message de paix, je pense que tout est bien balisé. Voilà. Oui, vous êtes web activiste. Là, je vous pose la question tout de suite comme ça. Oui. Est-ce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de ces messages-là qui peuvent mettre le pays à feu et à sang? Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Hein, c'est un monde de cafouillage. Et c'est pourquoi tout à l'heure, vous soulignez la loi sur le numérique, oui. Que je vous ai dit que c'est très important. Il a fallu que cela soit établi pour que aujourd'hui ça soit un peu réglementé sur le net. Mais en dehors de ça, il y a quand même des dérapages. Il y a des dérapages, mais on peut dire que quand même, c'est pas assez pour que on parle de ça. Il y aura toujours des fake news, il y aura toujours de ces gens qui, comme nous le disions tout à l'heure par rapport aux fanatiques, qui vont toujours se distinguer d'une manière négative. Mais on peut dire que dans l'ensemble, les gens ont compris l'enjeu. Et aujourd'hui, ce n'est même pas fait d'élection. Les gens ont compris que, avec la pandémie du coronavirus, on a plus, il vaut mieux plus militer pour la solidarité, la paix, que d'aller chercher à créer des désordres. On ne sera pas en train de parler de la pandémie et parler encore d'autres trucs. À côté de la pandémie, l'élection, c'est rien du tout. Donc, comprenez que chacun est conscient de l'enjeu et chacun joue son rôle. D'accord. Kader Chirou, sur quel levier faut-il appuyer pour que nous ayons une élection paisible? Je crois que la plupart des leviers sont déjà actionnés, sont déjà actés. Les élections seront paisibles pour ma part si je peux rester optimiste dans la simple mesure selon laquelle, comme mes prédécesseurs ont l'évoqué, les différents responsables religieux n'ont qu'un seul mot d'ordre, oui. Celui d'appel à la paix, au respect des gestes barrières édités contre la propagation du coronavirus. Oui. Le gouvernement a joué sa partition en mettant à disposition des différentes couches concernées dans l'organisation de ces élections les moyens qu'il faut. Oui. Des masques sont en train d'être distribués un peu partout sur l'étendue du territoire national. Oui. Les privés également prennent leurs responsabilités en essayant un peu d'appeler les autres au calme, à la tolérance également. Donc, je crois pour ma part que, avec le fait que le peuple béninois est un peuple véritablement pacifique, et cela est une lapalissade d'ailleurs, je reste convaincu qu'il n'y aura pas d'incident. Même s'il devait avoir d'incident, ce serait des incidents très, très mineurs. Et donc, il n'y aura pas de raison de s'inquiéter. Et donc, j'en finirai en disant que, à y voir de près, tous les leviers sont déjà actionnés pour permettre un bon déroulement du scrutin dans la paix, la quiétude et dans la transparence totale. Oui, le Bénin est connu pour sa maturité en matière d'organisation des élections, organisation d'élections pacifiques, voudrais-je dire. Pensez-vous que celle-ci le sera aussi? Je suis optimiste, oui. Parce que le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. Oui. Comme l'a dit un penseur, oui. Le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs. Les spectateurs. Je le dis parce que je ne clame pas tout haut que tout est bon, tout est parfait. Mais je m'inscris dans la logique selon laquelle nous avons chacun des efforts à faire. Nous devons jouer chacun notre partition pour atteindre cet objectif-là qui est que les élections doivent être paisibles et transparentes. Et à ce niveau, je pense déjà que le gouvernement est en train de jouer sa partition. Je pense que les autres institutions de la République, notamment la Sénat,
qui est chargé de l'organisation des élections, nous a déjà donné la preuve qu'elle est assez responsable et qu'elle est efficace dans ce que nous voyons déjà et qui doit aboutir à des élections paisibles. Mais je pense également que les partis politiques, les cinq partis politiques, qui déjà, à travers le message, appellent les citoyens à sortir massivement pour aller voter et à observer les prescriptions du gouvernement, je pense que ces partis politiques-là sont en train de jouer leur rôle. Et je pense en dernier ressort que nous, citoyens, nous, électeurs, nous devons prendre conscience de notre devoir également en accompagnant le gouvernement et toutes les autres institutions sur ce chemin-là, en allant massivement voter et en observant, n'est-ce pas, les recommandations du gouvernement dans ce sens-là. Et je pense en dernière position qu'une opposition, n'est-ce pas, qui ne veut pas prendre part aux élections et qui a des griefs ou des choses à reprocher au gouvernement doit se dire également que elle doit être responsable en se calmant, en ne tentant pas d'organiser des troubles à l'ordre public, mais en se disant que la nation appartient à nous tous et qu'elle doit, malgré ses griefs et malgré sa prise de position, n'est-ce pas, rester dans son coin et laisser les citoyens exprimer leurs droits pour le bien de la République. D'accord, Didier. Qu'est-ce que chaque Béninois, où qu'il soit, doit faire pour que le Bénin reste éternel? Je pense que le doyen a dit quelque chose d'essentiel. Autant que nous sommes, chacun à son niveau donné, sa grade et tout, a un rôle essentiel à jouer. Le comportement, de par nos propos, les actes que nous posons quotidiennement, surtout en ces périodes sensibles, dépend de la montée de la température ou de sa baisse. Et je pense que les gens ont compris, les Béninois ont compris, encore que tout est parfaitement bien fait pour qu'on n'aille pas à l'extrême. Vous voyez aujourd'hui, on ne va pas nous dire que l'élection communale est une élection exclusive. Non. L'opposition, elle est présente. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'il n'y a pas de l'opposition. On ne va pas y aller. Bon, on va laisser l'opposition. Tout est bien en place. Oui. Donc, connaissant nous, Béninois, pour mon jeune âge, je pense que nous sommes des hommes et des femmes de paix qui avions toujours milité pour la paix. Donc, pas de soucis. Restez tranquille. Vous verrez que tout se passera bien et que le 28... pas le 28, le 17 mai prochain. Le 17, le 18 matin, ce sera la joie. Déjà le 17 soir, ce sera la joie. Voilà. D'accord. L'existence humaine est temporelle. Le Bénin restera toujours et il faut le préserver pour la postérité. Merci Didier Makou. Merci le Gendarme Kader. Je vous remercie. Et ce sera la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi.